Bonjour, je me présente, je suis Monsieur Pikagi Richard, professeur de mathématiques. Alors, le cours que j'ai l'honneur de vous présenter ce jour porte sur les angles orientés. Ce cours a été déjà amorcé la fois dernière et aujourd'hui nous sommes donc sur la continuité. Alors, nous avons parlé autrefois des angles orientés de vecteurs et aujourd'hui nous allons parler des angles orientés de droite. Alors donc, nous allons parler d'angles orientés du couple de droite. Au début, nous allons revenir sur quelques propriétés. Et après, nous allons amorcer la propriété d'angle de droite à côté perpendiculaire, la propriété d'angle de droite à côté parallèle, et puis le théorème de l'angle inscrit et de l'angle au centre. Ensuite, nous allons arriver au niveau des points alignés et des points cocycliques. Voilà. Comment est structuré le plan de cette séance? Alors, nous allons commencer par l'angle orienté d'un couple de droite. Donc, on va définir c'est quoi l'angle orienté du couple de droite et évidemment donner quelques propriétés fondamentales avant d'aller au niveau des théorèmes ou des propriétés un peu particulières, si on peut parler en termes de théorèmes ou particulières, si on peut parler en termes de propriétés. Alors, c'est quoi un angle orienté d'un couple de droite? Alors, comme on l'a dit, comme on l'a défini pour l'angle orienté du couple de vecteurs, on a dit que lorsque nous prenons deux vecteurs, U et V non nuls, alors l'angle de vecteur, c'était tout simplement noté UV. L'angle orienté de vecteur, c'était ceci, c'est ce couple UV-là, où U et V sont des vecteurs non nuls. Alors, il en est de même pour les angles de droite. Un angle de droite, c'est tout juste un couple D et D' de deux droites du plan. Et sa mesure sera notée mèse de D, D' ou D, D' avec une barre. Alors, nous avons dit que pour un angle orienté de vecteur, il existe une infinité de mesures. Et il y avait une que nous avons appelé par la mesure principale, c'est cette mesure-là unique qui est dans l'intervalle de moins pi à pi. Alors, c'est la même chose au niveau de l'angle orienté de droite, c'est qu'un angle orienté de droite aussi a une infinité de mesures, sauf que parmi toutes ces mesures, il y a une et une seule qui appartient à l'intervalle de moins pi sur 2 à pi sur 2. Donc, la mesure principale d'un angle orienté de droite est dans l'intervalle moins pi sur 2 à pi sur 2, tandis que pour un angle orienté de vecteur, nous avons vu que sa mesure principale est dans l'intervalle de moins pi à pi. Exemple, si nous disons que D' ou bien prenons θ égale à, si nous prenons l'exemple de θ égale à 2 pi sur 3, alors on peut déterminer la mesure principale de cet angle orienté. Alors, il suffit d'ajouter pi ou de retrancher pi, ou on peut faire par encadrement comme on l'avait fait dans les angles orientés de vecteurs. Alors, donc, si nous prenons 2 pi sur 3, θ égale à 2 pi sur 3, et que nous soustrayons pi, on enlève pi, on aura 2 pi sur 3 moins 2 pi sur 3 moins pi, ça nous donne tout simplement 2 pi moins 3 pi sur 3. Et donc 2 pi sur 3 moins pi, ça nous donne moins pi sur 3. Donc 2 pi sur 3 est congru à moins pi sur 3 modulo pi. Donc pour un angle orienté de vecteur, il était défini modulo 2 pi. Par contre, pour l'angle orienté de droite, il sera congru modulo pi. Alors, donc voilà ce qu'on peut dire à propos de la mesure d'un angle orienté de droite. Alors, nous avons quelques propriétés. On a quelques propriétés pour l'angle de couple de droite. La première propriété, donc soit on prend soit D et D'
deux droites du plan. Alors, nous avons le fait que l'angle formé par D et D est congru à 0 modulo pi. Alors, une autre propriété, nous avons le fait que l'angle D, D prime, on peut enlever la barre, D, D prime est congru à moins D prime D modulo pi. Ça stipule que lorsque nous permettons les deux droites, bien, il y a l'apparition du signe moins. On avait démontré cette propriété avec les angles orientés des vecteurs. Alors, la relation de Charles, si nous prenons trois droites, bon, pour cela, on peut corriger ici, soit D, virgule D prime, et 2 D second, 3 droites du plan. Alors, la relation de Charles, donc D, D second, congrue à D, D prime, plus D prime, D second. Modulo pi. Alors, voilà quelques propriétés qu'on peut énoncer et les autres, nous allons les énumérer au fur et à mesure. Alors, nous allons passer à la propriété donc de droite à côté perpendiculaire. Donc, on va prendre deux droites qui sont respectivement perpendiculaires à deux autres droites. Et on va voir ce qui va se passer. Quelle sera la relation entre l'angle formé par les deux premières droites et l'angle formé par les deux autres. Donc, on prend quatre droites, soit D1, D2, D3 et D4, quatre droites. Quatre droites telles que nous avons D1 qui sera perpendiculaire à D2 et D3 qui sera perpendiculaire à D4. Le problème ici, c'est établir une relation entre l'angle D1, D3 et l'angle D2, D4. Alors, nous pouvons illustrer cette situation à partir d'un petit schéma. Si nous appelons celle-ci D1, qui sera donc perpendiculaire à D2. Et D3 sera perpendiculaire à D4. Donc D1, D3, cet angle, et D2, D4. Nous allons établir une relation entre ces deux droites-là. Alors, étant donné que D1 est perpendiculaire à D2, alors D1 perpendiculaire à D2 implique que l'angle formé par D1, D2 est congru à pi sur 2 modulo pi. D3 perpendiculaire à D4, cela veut dire que l'angle D3, D4 est congru à pi sur 2 modulo pi. Alors, il s'agit d'établir une relation entre l'angle D1, D3 et l'angle D2, D4. Donc, D1, D3 sera donc congru. On applique la relation de Charles. D1, D2 plus
D2, D4 plus D4, D3. Modulo pi. Alors, D1, D2. Les deux droites sont perpendiculaires, donc c'est congru à pi sur 2. Plus D2, D4. C'est là qu'on ne connaît pas. Plus, bon, D4, D3. D4, D3, étant donné que D3, D4, c'est pi sur 2, cela veut dire que D4, D3 sera congru à moins pi sur 2. Moins pi sur 2. Bon, notons qu'on peut travailler aussi avec moins pi sur 2, c'est-à-dire D1, D2, congru à pi sur 2 ou moins pi sur 2. Nous sommes avec l'angle de droite. Avec l'angle de droite, pi sur 2 est congru à moins pi sur 2, modulo pi. Donc, il n'y a pas de problème pour cela. Modulo pi. Et donc, finalement, on montre bien que D1, D3 est congru à, étant donné que pi sur 2 moins pi sur 2 donne 0. Donc, on a D2, D4. Donc, D1, D3 est égal à D2, D4. Donc, si D1 est perpendiculaire à D2 et que D3 est perpendiculaire à D4, alors nous avons le fait que D1, D3 est donc congru à D2, D4. Voilà la propriété des angles de droite à côté perpendiculaires. Alors, nous passons à la propriété des angles de droite à côté parallèles. Là aussi, nous allons faire une illustration. Angle de droite à côté parallèle. Donc, on prend quatre droites aussi, soit D1, D2, D3 et D4. Bon, en passant, on peut mettre les parenthèses. Ce sont des droites, évidemment, depuis ici. Soit D1, D2, D3 et D4, quatre droites. Quatre droites. Telles que D1 soit parallèle à D2, D3 soit parallèle à D4. Nous allons aussi établir une relation entre la mesure de l'angle D1, D3 et D2, D4. Alors, un petit schéma. On prend deux droites parallèles. D1 parallèle à D2. D1 parallèle à D2 et D3 parallèle à D4. Alors, nous allons établir une relation entre D1, D3, donc D1, D3, cet angle-là, et D2, D4. D2, D4. On peut prendre comme ceci ou de l'autre côté. Alors, on fait la même chose qu'ici. On peut utiliser la même relation. D1, D3. D1, D3. Congru donc à D1, D2. Plus D2, D4. Plus D4. D3, modulo pi. À ce moment-là, D1, D3. Étant donné que D1, D2, D1 est parallèle à D2, donc l'angle formé par ces deux droites-là, c'est congru à 0 modulo pi. Donc D1 parallèle à D2, ici ça donne 0 modulo pi, donc on a 0, plus
D2, D4. D2, D4, plus. D4 et D3 aussi sont parallèles. Donc, on a aussi 0. 0 modulo pi. Finalement, D1, D3 est congru à arc D2, D4, modulo pi. Donc, si D1 est parallèle à D2 et D3 est parallèle à D4, alors D1, D3 sera donc congru à D2, D4, modulo pi. Voilà la propriété des angles de droite à côté parallèles. Alors, nous allons parler de l'angle inscrit et de l'angle au centre. L'angle inscrit et l'angle au centre. Alors, c'est quoi un angle inscrit et c'est quoi un angle au centre? Alors, un angle inscrit, c'est un angle dont le sommet se trouve sur le cercle. C'est un angle dont le sommet se trouve sur le cercle et un angle au centre, c'est un angle dont le sommet se trouve au centre. Alors, pour essayer un peu d'illustrer cela, nous avons donc cette figure-là. Nous avons donc ici un cercle C. De centre O, on a un cercle C. De centre O, alors, le segment MA, donc qui joint deux points distincts d'un même sexe, c'est ce que nous appelons par la corde. Donc nous avons la corde MA. AB aussi, c'est une corde. MB aussi est une corde. Alors nous voyons que l'angle MAMB, MAMB, est un angle dont le sommet se trouve sur le cercle. Donc il s'agit d'un angle inscrit. Angle inscrit. Son sommet se trouve sur le cercle. Alors, si nous prenons OAOB, OAOB, c'est un angle dont le sommet se trouve au centre. Donc, ça, c'est l'angle au centre. OAOB, c'est l'angle au. C'est l'angle au centre. Alors, le problème, c'est connaître la relation qui existe entre l'angle inscrit et l'angle au centre lorsque les deux interceptent le même arc. Nous voyons que l'angle MAMB intercepte sur le cercle C l'arc AB. Et lorsque nous prenons OAOB, cet angle-là aussi intercepte le même arc AB. Et nous allons voir à ce moment-là, lorsqu'on a un angle inscrit et un angle au centre qui intercepte le même arc, quelle est la relation qui existe entre les deux? Alors, nous allons partir d'une propriété très simple. Nous allons exprimer donc MAMB en fonction de OAOB. Alors, comment allons-nous faire cela? Nous avons le fait que MA, si nous regardons la droite MA, elle est perpendiculaire à la droite OE, étant donné que O, c'est le centre du cercle circonscrit, et que cette droite-là passe par le milieu du segment MA et lui est perpendiculaire, c'est donc une médiatrice. Donc, OE est la médiatrice du segment MA. De même, la droite OF est la médiatrice du segment MB. Donc, MA perpendiculaire à OE, nous le constatons, et MB, perpendiculaire à OF. OF. Donc,
Nous avons vu tout à l'heure la propriété des angles à côté perpendiculaire. Donc, angle de droite à côté perpendiculaire. Cela veut dire que MA, MB sera congru à OE, OF. OE, OF. Modulo pi. D'après la propriété de tout à l'heure. Alors, nous allons déterminer une mesure de l'angle OE, OF. On peut appliquer la relation de Schall. On fixe une droite entre OE et OF. On peut fixer OM, la droite OM. Donc, on a MA, MB sera donc congru à OE, OM plus OM, OF. Modulo pi. Alors, OE, OM. OE, OM. Étant donné que la droite OE est une bisectrice, donc la droite OE est la bisectrice de l'angle OA, OM. Donc, nous pouvons remplacer OE, OM par un demi de OA, OM. C'est la bisectrice de cet angle-là. Donc, ça nous fait un demi de OA, OM. Plus, de l'autre côté, c'est la même chose. La droite OF est la bisectrice intérieure de l'angle OBOM. Donc, on peut dire que OMOF est égal à un demi de OMOB. Donc, plus un demi de OMOB modulo pi. Congruence, donc, on a un demi, finalement, OA, OM plus OM, OB, modulo pi. Et finalement, nous avons le fait que MA, MB congruent donc un demi. En appliquant la relation de Schall, OA, OM plus OM, OB, ça donne OA, OB. OA, OB. Alors, cela veut dire quoi? Que lorsqu'un angle inscrit et un angle au centre interceptent le même arc sur le même cercle, l'angle inscrit est tout simplement la moitié de l'angle au centre. Ou en d'autres termes, l'angle au centre sera donc le double de l'angle inscrit. Voilà un théorème très fondamental de géométrie. Donc, l'angle inscrit est égal à la moitié de l'angle au centre lorsque ces deux interceptent le même arc. Alors, en dehors de cette propriété, il y a une propriété complémentaire en ce qui concerne la tangente. Donc, nous avons ici la tangente en A que nous appelons par delta. Delta sera donc la tangente en A au cercle C. Et ici, nous allons aussi établir une relation entre l'angle formé par la tangente delta et la corde AB et l'angle inscrit MAMB. Alors, nous venons déjà de montrer que MAMB est congru à un demi de OAOB. Alors, nous allons regarder qu'est-ce qui va se passer en ce qui concerne l'angle ATAB. Nous prenons un point T sur cette droite-là. Nous allons voir quelle est la relation entre l'angle ATAB et l'angle OAOB. Alors, donc, nous avons ceci. Bon, la droite T, c'est la tangente en A. C'est la tangente en A. Donc, du coup, cette droite-là est perpendiculaire à OA, étant donné que OA, c'est le rayon. Donc, OA, on va dire T, plutôt AT. AT perpendiculaire à OA. Et puis, AB, bon, perpendiculaire évidemment. AB est perpendiculaire ici. On peut prendre un point G.
G. AB, perpendiculaire à OG. Alors, toujours par la propriété des angles à côté perpendiculaire, AT étant perpendiculaire à OA et AB perpendiculaire à OG, tout de suite, on a le fait que AT, AB est donc congru à OA, OG, modulo pi. OA, OG. Or, la droite OA, OG, nous regardons la figure, la droite OA, OG est la bisectrice intérieure de OA, OB. Donc, OA, OG n'est autre que la moitié de OA, OB. Donc, un demi de OA, OB, modulo pi. Donc, AT, AB sera donc congru à un demi de OA, OB. Alors, d'après ce qui précède, tout à l'heure, nous avons vu le théorème de l'angle inscrit et de l'angle au centre qui intercepte le même arc. Donc, d'après ce qui précède, on a vu que l'angle inscrit MAMB était congru à un demi de OA, OB. Bon, ça c'est, on peut noter ça, la relation 1. Et la nouvelle relation, nous l'appelons 2. ATAB congru à un demi de OA, OB. MAMB congru à un demi de OA, OB. Donc, de 1 et 2, on en déduit que de 1 et 2, on en déduit que MA, MB est congru donc à AT, AB. Donc c'est l'angle tangente corde. L'angle tangente corde est finalement égal à l'angle inscrit. Voilà la conséquence du théorème de l'angle inscrit et de l'angle au centre interceptant le même arc. Alors, voilà ces théorèmes-là vont nous permettre de faire beaucoup de démonstrations et de résoudre beaucoup d'exercices. À ce moment-là, une fois que nous avons fini d'énoncer tous ces théorèmes-là, alors nous allons passer au point 6.2. Il s'agit des points alignés et des points cocycliques. Comment démontrer que les points sont alignés en utilisant l'outil des angles orientés? Et comment démontrer que les points sont cocycliques en utilisant l'outil des angles orientés? Alors, je rappelle que les points sont alignés lorsqu'ils appartiennent tous à une même droite. Deux points quelconques distincts sont toujours alignés. Et le problème se pose à partir de trois points. Lorsqu'on a trois points, est-ce que ces points-là sont toujours alignés? Est-ce qu'il y a une droite qui passe par ces points? C'est ça le point d'interrogation. Alors, la condition, c'est laquelle? Lorsque nous prenons trois points distincts, soit A, B et C, trois points distincts. Alors, si les points A, B et C sont alignés, si A, B et C sont alignés, ça veut dire que les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Ça, c'est avec la géométrie vectorielle. AB et C sont alignés, c'est seulement si les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Alors, si les vecteurs sont collinéaires, ça veut dire qu'ils sont soit de même sens, soit de sens contraire. Alors, si AB et AC sont de même sens, s'ils sont de même sens, alors l'angle formé par les vecteurs AB, AC est tout simplement congru à 0 modulo 2π. Par contre, si ils sont de sens contraire, AB, AC sera congru à pi modulo 2π. Donc, si A, B et C sont alignés, on a deux conditions. Soit AB, AC est congru à 0 modulo 2π, soit AB, AC est congru à pi modulo 2π. Mais, étant donné que, en classe de première, nous allons parler du double d'un angle orienté, de vecteur, et donc ici, si on multiplie par 2, on aura 2
AB, AC, congru à 0, modulo 2π. Et par là, si on double, on aura 2AB, AC aussi, congru donc à 2π. Bon, on peut d'abord mettre 2π modulo 2π. Bon, étant donné que 2π est congru à 0, modulo 2π, donc nous avons 2AB, AC, congru à 0 modulo 2π. Donc, on peut dire que si A, B et C sont alignés, alors nous avons cette égalité-là. Et réciproquement, on peut démontrer que si 2 fois AB, AC est égal à 0 modulo 2π, cela veut dire que soit AB, AC égale 0, soit AB, AC égale π. Ça veut dire que dans les deux cas, les points sont alignés. Donc, la condition 2 fois AB, AC égale 0, c'est une condition, on peut dire, nécessaire et suffisante pour que les points ABC soient alignés. Bon, ça c'est avec les angles de vecteurs. Avec les angles de droite, alors on peut dire que si les points ABC sont alignés, ça veut donc dire que soit les droites ABAC sont donc confondues en quelque sorte. Et donc, la mesure de ABAC sera tout simplement congrue à 0 modulo pi. Ça, c'est avec les angles de droite. Donc, soit on travaille avec les angles de vecteurs 2 fois ABAC congru à 0 modulo 2π, soit on travaille avec ABAC congru à 0 modulo π quand il s'agit des angles de droite. Voilà en ce qui concerne l'alignement. Bon, nous allons parler des points cocycliques. Les points cocycliques, des points sont dits cocycliques lorsqu'ils appartiennent tous à un même cercle. Co veut dire même, donc points cocycliques sont des points qui appartiennent tous à un même cercle. Alors deux points, lorsqu'on prend deux points distincts sont toujours cocycliques. Il y a toujours un cercle qui passe par ces deux points-là, sinon plusieurs cercles. Trois points non alignés sont toujours cocycliques. Parce que lorsqu'on a trois points non alignés, ABC, on obtient un triangle et tout triangle non aplati admet un cercle circonscrit. Donc trois points sont toujours cocycliques. Le problème se pose maintenant à partir de quatre points. À partir de quatre points, il y a une condition pour que les points soient cocycliques. Alors, bon, il y a plusieurs égalités. On peut partir du fait que nous avons notre cercle ici. Sur notre cercle, nous avons trois points. Bon, on peut ajouter un quatrième point qui est sur ce cercle-là, que nous pouvons désigner par N. Et nous avons l'angle inscrit NANB. Prenons l'angle inscrit NANB, c'est-à-dire un angle dont le sommet se trouve sur le cercle. Alors, si les points A, B, N et M sont cocycliques, c'est-à-dire si ces quatre points-là sont sur le cercle C, sur un même cercle, alors en utilisant le théorème de l'angle inscrit et de l'angle au centre interceptant le même arc, on aura donc d'une part MAMB congru à 1 demi de OA, OB, modulo pi. Et de l'autre côté, NANB aussi intercepte le même arc. Donc, on aura NANB égal à 1 demi. 1 demi de OA, OB, modulo pi. Alors, de 1 et 2, 1, 2, donc, de 1 et 2, on en déduit que MA, MB, congru à NA, NB, modulo pi. Et on peut démontrer réciproquement que si on a MAMB égale à NANB, ça veut dire que les points là aussi sont sur ce cercle, sont sur le même cercle. Alors,
La condition MAMB congrue à NANB est une condition donc nécessaire et suffisante pour que les points A, B, M et N soient cocycliques. Donc, on remarque qu'on peut avoir plusieurs égalités parce qu'il suffit de prendre n'importe quel angle qui est inscrit et on verra qu'on arrivera à la même conclusion. Donc, pour démontrer que ABCD sont cocycliques, on peut retenir ABC et D sont cocycliques si, virgule, et seulement si, si et seulement si, on peut prendre AB à D congru à CB, CD. Et ce n'est pas l'unique égalité. On peut avoir d'autres. On peut prendre BA, BC, congru à DA, DC. Voilà, il suffit de remarquer que dans au premier moment, on a AB, AD. Et parmi les quatre points, c'est le point C qui manque. Et donc, il suffit de remplacer le point A de l'autre côté par C pour avoir donc la relation qui est à droite. Donc, AB, AD congru à CB, CD et ainsi de suite. On a donc plusieurs égalités, trois ou quatre, pour démontrer que les points sont cocycliques. Alors, de cette cocyclicité-là, nous allons parler aussi des quadrilatères inscriptibles. Quadrilatères inscriptibles, c'est-à-dire des quadrilatères dont les sommets sont cocycliques. Déjà, lorsque nous avons un quadrilatère qui est constitué de deux triangles rectangles de même hypoténuse, alors les sommets sont cocycliques. Il suffit de prendre, on va illustrer cela. Et nous prenons CD. Donc ici, on a cette configuration-là. Deux triangles rectangles de même hypoténuse. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a AB, AD égale à, c'est un angle droit direct, pi sur 2 modulo 2 pi, AB, AD, c'est pi sur 2 modulo 2 pi. Et si on prend CB, CD, CB, CD, congru, CBCD, c'est le sens indirect, moins pi sur 2. Moins pi sur 2. Bon, en passant au double, évidemment, on aura donc deux fois AB, AD, congru à pi, modulo 2 pi. Et ici, on aura donc deux fois CB, CD, congru à moins pi, modulo 2 pi. Et nous savons que lorsque nous sommes dans la congruence modulo 2π, moins π est congru à π. Donc finalement, on a 2AB, AD, congru à 2CB, CD. Ça, c'est la relation avec les angles de vecteurs. On peut le faire avec les angles de droite, c'est-à-dire AB, AD, congru à π sur 2 modulo π. Et de l'autre côté aussi, on aura CBCD congru à, ça sera moins pi sur 2, modulo pi. Mais nous savons que moins pi sur 2 est congru à pi sur 2, modulo pi. Et nous avons le même résultat. Donc, on peut le faire avec les angles de vecteurs ou avec les angles de droite. Donc, voilà le premier cas de quadrilatère inscriptible. Lorsque nous avons un quadrilatère formé de deux triangles rectangles, nous avons les triangles A, B, D,
Ça, c'est un triangle rectangle. On a l'hypoténuse est BD. Nous prenons aussi B, C, D, triangle rectangle en C. L'hypoténuse aussi, c'est BD. Alors, donc, lorsque nous avons cette situation-là sur un schéma, c'est que les sommets sont cocycliques. Ça, c'est le premier cas de quadrilatère inscriptible. Nous avons aussi le cas où un quadrilatère convexe a deux angles supplémentaires. Deux angles, les deux angles opposés sont supplémentaires. A, B, C, D. Supposons que ce quadrilatère-là a ces deux angles opposés supplémentaires, c'est-à-dire des angles dont la somme donne un angle plat. Donc, AB, supposons que AB, AD, on les prend dans le sens direct, AB, AD plus CD, CB donne pi modulo 2π. Voilà, quadrilatère dont les angles opposés sont supplémentaires. Alors, si on passe au double, on aura donc deux fois AB, AD, plus deux fois CD, CB, congru donc à 2π. Bon, 2π est congru à 0, 0 modulo 2π. Donc, on aura 2 fois AB, AD, congru, moins 2, CD, CB, modulo 2π. Et finalement, on arrive à 2 fois AB, AD, congru à 2 fois CBCD. Alors donc, nous retrouvons ici l'égalité de cocyclicité, parce que nous savons que cette relation, elle est nécessaire et suffisante pour que les points soient cocycliques. Donc si on a 2ABAD égale à 2 fois CBCD, cela veut dire que les points là sont cocycliques. Donc, le quadrilatère est inscriptible. Donc, lorsqu'un quadrilatère convexe à ces deux angles opposés supplémentaires, ce quadrilatère-là est inscriptible dans un cercle. Cela veut dire que ses sommets sont des points cocycliques. Et pour tracer le cercle qui passe par ces quatre points-là, il suffit de tracer deux médiatrices de ces côtés, de deux côtés différents. Par exemple, ici, on trace la médiatrice du segment AB. Donc, ça sera cette droite. Et on trace la médiatrice du segment AD. On obtient l'autre médiatrice. Et là où les deux médiatrices se croisent, c'est le centre du cercle passant par les quatre points de notre quadrilatère. Alors, dans le cas où on a un quadrilatère formé de deux triangles rectangles de même hypoténuse tout à l'heure, alors le cercle qui passe par ces quatre points, il suffit de prendre le milieu de l'hypoténuse commune. Puisqu'on a deux triangles rectangles de même hypoténuse, comment faire pour tracer ce cercle? Ben, on prend tout simplement le milieu de l'hypoténuse commune. Ce milieu-là sera donc le centre du cercle par lequel passent les quatre points. Bon, voilà. En ce qui concerne l'angle de droite, alors on peut appuyer cela par un exercice d'application. Exercice d'application.
Bien, alors, merci pour cette séance. L'exercice d'application, nous allons le faire la séance prochaine. Et je vous remercie et donc la suite au prochain numéro. Merci.